Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, et je voudrais saluer particulièrement la présence de l'ambassadeur du Mali. Monsieur le coordinateur national de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire Union européenne. Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les membres de la délégation présidentielle. Mesdames et messieurs les conseillers et membres de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Mesdames et messieurs les présidents des partis et associations de la communauté ivoirienne de Belgique. Mesdames et messieurs les membres de la communauté ivoirienne de Belgique. Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs. Nous sommes réunis ce soir à l'initiative de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qui a tenu à consacrer les dernières heures de son calendrier de travail particulièrement chargé à la communion avec nous, ses compatriotes résidant en Belgique. Au moment où commence cette rencontre historique, je voudrais vous inviter tous et avant toute chose à chanter avec moi à l'unisson comme des fiers Ivoiriens et comme vous savez le faire, l'hymne national de Côte d'Ivoire. Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République.
Monsieur le Président de la République, avant que les voix plus autorisées ne le fassent avec les termes appropriés et les bons choisis, permettez-moi de vous adresser au nom de la communauté ivoirienne de Belgique, au nom de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Bruxelles, nos chaleureuses et cordiales bienvenue et vous dire combien la communauté ivoirienne de Belgique est heureuse et fière de vous accueillir aujourd'hui au Royaume de Belgique et dans la capitale européenne. Monsieur le Président de la République, à quoi va identité. Le programme de la cérémonie de ce soir se décline comme suit. Nous allons tout à l'heure suivre, et en premier lieu, l'intervention de Son Excellence M. Jean-Vincent Vinsou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Bruxelles, et qui sera suivi par l'allocution du représentant de la communauté ivoirienne de Belgique. Et après cela, nous ferons toute la place à Son Excellence M. l'ambassadeur, à Son Excellence M. le Président de la République, pour son adresse à la communauté ivoirienne de Belgique. Ensuite, nous procéderons à la remise du cadeau au président de la République et nous terminerons donc par un rafraîchissement. Sans plus tarder, je voudrais inviter ici Son Excellence M. Jean-Vincent Zéphir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, mon cher frère ambassadeur du Mali, ici présent, Monsieur le représentant du Président de la Chambre de commerce, mon frère et complice à Boaké, Nicolas Dubot, ici présent, mes chers collaborateurs, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand enthousiasme et un profond respect que mes collaborateurs, la communauté ivoirienne et moi-même vous accueillons à Bruxelles, capitale de l'Europe. Mais avant de continuer mon propos, je voudrais vous prier, Monsieur le Président, d'être notre interprète auprès d'une femme, votre épouse, Madame Dominique Ouattara, femme de tête et femme de cœur, dont l'accent est ressenti. Lui dire mille fois merci pour son implication totale dans le domaine social et sanitaire pendant des années de déconstruction totale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Elle a fait sienne, je cite Albert Camus, écrivain français, qui disait que la vraie générosité consiste à tout donner au présent. Monsieur le Président de la République, vous voilà à la tête de la Côte d'Ivoire. Volonté divine, une tâche herculéenne. Vous êtes situé aujourd'hui entre héritage et changement. Que dis-je, entre héritage et rupture. Dans un pays méconnaissable, vampirisé, anesthésié,
défiguré, baignant dans la culture de la violence. Une Côte d'Ivoire caractérisée par la démagogie, la dissimulation, l'égoïsme primitif, l'attachement au pouvoir qui nous rappelle les pires moments dictatoriaux. Une Côte d'Ivoire formalisée, servie par des discours débiles, prise en otage par je ne sais quelle idéologie, par des vendeurs d'illusions, qui pensaient avoir raison surtout en tout et partout. Oui, Monsieur le Président, une Côte d'Ivoire que vous sortez de la torpeur et que vous remettez d'équerre. Avec vous, comme président, c'est la vérité, c'est la rigueur. Contre la manœuvre, c'est la gouvernance contre la politique politicienne. Si les agences de notation s'étaient intéressées à la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, ce n'était pas pour avoir un triple A, mais un triple I caractérisé par l'improvisation, l'inefficacité et l'injustice. Monsieur le Président, et merci de nous donner un message d'optimisme. Vous aurez pu prendre, Monsieur le Président, une retraite paisible, une retraite dorée, après avoir sillonné le monde pour occuper de votre fonction sur le plan international. Mais le challenge, l'appel du large, le service de l'État, l'amour de votre pays vous a obligé de venir vous lancer dans la reine politique. Et c'est ce que vous avez fait habilement pour être aujourd'hui à la tête de ce pays. Vous l'avez fait parce que vous jouissez d'un crédit international. Et vous allez faire parce que vous êtes un homme de parole qui dit ce qu'il fait, mais qui fait ce qu'il dit. Président, j'ai pu personnellement le constater à Madrid, en Espagne, lors des journées, lors des assemblées annuelles de la Banque centrale et de la Banque du FMI et de la Banque mondiale, où à Berlin, à l'hôtel Adlon, vous avez présidé avec brio une conférence internationale. C'est pourquoi les Ivoiriens ont compris et ont pris conscience de leur pays qui côtoyait les abîmes dans un monde en profonde mutation, requérait un barrage de Pluton. Monsieur le Président, la route est droite et la pente est forte. Ne doutez pas. Ne renoncez pas, car cesser d'avancer serait se parjurer devant l'histoire. Nous connaîtrons des secousses, mais pas des séismes ni des tsunamis politiques, car l'histoire ne se répète pas, elle peut seulement parfois bégayer. À mes frères ivoiriens, vendeurs d'illusions, je leur dis tout simplement que l'espoir fait vivre et que l'attente fait mourir. La Côte d'Ivoire est en guerre. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui gouvernée et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui gérée. La tâche est immense, car lorsqu'il y a beaucoup à faire, c'est que rien n'a été fait. Les mythes aussi ont la vie dure, mais la réalité est là, implacable, et les faits sont têtus. Il y a un temps pour les élections et un temps pour l'action. Nous sommes aujourd'hui dans l'action pour la réhabilitation totale de la politique.
Monsieur le Président, on a coutume de dire que les assassins reviennent sur les lieux du crime. Mieux, on leur donne la clé de la maison. Et dans cette Côte d'Ivoire réinventée, on ne leur donnera pas les clés de la maison. La tâche est immense, dis-je, mais c'est une tâche à valeur et à dimension humaine. Et nous devons, et nous pouvons réussir, si nous savons nous accepter tel que nous sommes. Si nous savons parler le même langage, c'est-à-dire le langage de la vérité, nous pourrons réussir à rebâtir une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre pour tout le monde. Monsieur le Président de la République, vous avez fait une très belle campagne. Très belle campagne, moi je suis PDC. Et j'ai assisté, j'ai écouté votre campagne. Comment vous l'avez menée, vous avez fait une très très belle campagne. Et quand vous m'avez nommé comme ambassadeur à Bruxelles, j'ai relu les discours de campagne. Je me suis imprégné. Et comme feuille de route, j'ai donc comprimé un peu tout ce que vous avez dit dans votre campagne, et j'ai retenu 5 thèmes. Loger, nourrir, vêtir, éduquer et soigner. Puisse le Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, vous accorder la santé, la force et la lucidité pour réaliser ces 5 objectifs pour le bien de tous les Ivoiriens, car notre pays n'est pas à reconstruire. Notre pays est à construire. Et les critiques permanentes ne font pas un projet de société. Monsieur le Président de la République, votre présence ici au Royaume de Belgique revêt une importance particulière, car cela fait des années un chef d'État ivoirien n'a pas foulé le sol belge. Des contacts bilatéraux et des contacts multilatéraux. Notre pays avait tout simplement disparu des radars et du logiciel. Des voyages à l'étranger du président de la République. Disons tout simplement que vous renouez avec les fondamentaux de notre diplomatie, paix à l'intérieur du pays, paix à l'extérieur, amis de tout le monde, ennemis de personne, recherche constante de la paix, besoin fondamental de l'être humain. À l'heure de la mondialisation et de la globalisation, un pays ne peut vivre plus sur lui-même, car comme le disait le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, dont la mémoire est inscrite dans la conscience collective des Ivoiriens, sauf dans celle minoritaire qui voulait l'effacer, le voyage à Pessorgue. Et la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Suis son exemple. Et sa mémoire nous inspirait. Sur le plan diplomatique, vous refusez que la Côte d'Ivoire soit un État mixte. Et vos voyages utiles, nécessaires, marquent le retour de notre pays sur la scène internationale et la place face aux nouveaux défis mondiaux. À la diplomatie de mégaphone, à la diplomatie de contestation permanente, Monsieur le Président, vous préférez une diplomatie secrète, fondée sur la diplomatie de développement, la seule qui vaille aujourd'hui dans ce nouveau monde. Pour conclure, je tiens à vous remercier une dernière fois. Je sais que le faire en empruntant à Georges Simenon les mots qui vous diront combien nous apprécions
ces heures passées avec vous et votre délégation. On les prend, écrivait-il, pour des heures comme les autres. Et après coup, on s'aperçoit que c'était des heures exceptionnelles. On s'acharne à en reconcilier le fil perdu, en remettre bout à bout des minutes et passes. Nous aurons peut-être demain, après le départ du président, plus qu'aujourd'hui encore, la conscience d'avoir vécu un moment d'exception à vos côtés. Mais soyez persuadés que mes collaborateurs, la communauté ivoirienne et moi-même n'aurons pas besoin de nous acharner en reconstituer le fil perdu, car je sais que nous garderons pour longtemps le souvenir intact et précieux de cette visite au Royaume de Belgique. Monsieur le Président de la République, merci de réenchanter le rêve ivoirien. Oui. Merci. Merci d'amener la Côte d'Ivoire désespérée vers un avenir meilleur. Vous réussirez, et j'en suis convaincu, parce que vous n'avez pas la mémoire poussiéreuse, vous avez une mémoire dynamique. Ah ouais. C'est Napoléon qui disait qu'on ne conduit un peuple qu'en lui montrant qu'un avenir. Le chef est un marchand d'espérance. Monsieur le Président, merci d'être vous. Je vous remercie. Ah oui. Voilà. Nous savons au président cette de la place si on porte pas la communauté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Secrétaire général de la Sénat, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire après le Royaume de Belgique et de l'Union européenne, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers compatriotes, le jour que nous avons tant espéré, tant attendu, est enfin arrivé. Celui qui donnerait l'opportunité à l'ensemble de la communauté ivoirienne de communier avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici à Bruxelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la communauté ivoirienne vivant au Benelux, dans toutes ses composantes politiques, ethniques, religieuses, estudiantines, sociales, économiques, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous adresser la bienvenue en Belgique. Excellence, Monsieur le Président, à Kwaba, comme on dit chez nous, et danser Ayoka Otamana. Aussi, pour le président du comité d'organisation que je suis, au plaisir s'ajoute l'honneur. L'honneur que vous me faites par votre attachement et votre à votre communauté, pardon, en nous rencontrant nonobstant votre programme de ce jour que je sais très chargé. Par ma voix,
le comité d'organisation et toute la communauté ivoirienne vivant au Benelux tiennent à vous témoigner de façon unanime toute sa reconnaissance et sa gratitude. En cette circonstance heureuse, il m'est agréable de saluer toutes les personnalités qui vous accompagnent et qui vous soutiennent dans l'accomplissement de votre mission au service de la Côte d'Ivoire si chère à vos yeux. C'est également l'occasion de remercier Son Excellence M. l'ambassadeur Jean-Vincent Dessous, ainsi que l'ensemble des membres du personnel diplomatique et le cadre de l'ambassade pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour encourager la cohésion entre les Ivoiriens en Belgique. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, notamment celle de ces 10 dernières années, a été jalonnée par une succession de crises difficiles, dont le conflit post-électoral fut très éprouvant. Nous avons participé activement au processus électoral et nous en sommes fiers. Malgré les difficultés, nous avons su mettre en place une commission électorale indépendante qui a permis à ses membres de travailler en bonne intelligence. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de remercier d'une part les différents partis politiques représentés ici, le RDR, le PDCI, le FPI, et d'autre part, de féliciter tous les membres de la CEI ainsi que toutes les bonnes volontés. Votre élection à la magistrature suprême est un don de Dieu. Et votre engagement pour le développement de la Côte d'Ivoire ouvre fort heureusement une ère nouvelle. Cette ère dynamique où la Côte d'Ivoire renoue avec les valeurs du vivre ensemble, de justice, de travail et d'abnégation dans le progrès et le bonheur partagé en selon les réglés. Nous, communauté ivoirienne, vivant au Benelux, partageons et croyons fermement à votre politique de développement, incluse et qui associe toutes les forces vives du pays, malgré nos divergences de vues et d'opinions. C'est pourquoi nous approuvons avec un réel satisfaction votre volonté de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes, car c'est dans l'union, la discipline et le travail que nous deviendrons une nation modèle, prospère et enviable. La diaspora ivoirienne au Benelux voudrait vous accompagner et jouer pleinement sa partition dans la modernisation de la Côte d'Ivoire, conformément à votre vision politique et économique. En effet, la communauté ivoirienne regorge de compétences dans des secteurs d'activités variés, avec un large spectre d'expériences qui peuvent être bénéfiques pour la reconstruction et le développement de notre pays. Les Ivoiriens de la diaspora veulent participer aux défis qui sont à relever pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Aussi, pour une action durable et efficiente, ils souhaitent vivement que des conditions d'incitation au retour puissent être initiées par l'État. C'est la raison pour laquelle la communauté ivoirienne vivant au Benelux a déjà amorcé une réflexion pour la promotion et la valorisation de son savoir-faire au profit de la Côte d'Ivoire. À cet effet, une base de données globale devrait recenser les compétences et servir de plateforme pour des échanges et l'élaboration de projets interdisciplinaires. Des axes d'action prioritaires ont été dégagés tant au niveau des Ivoiriens et Ivoiriennes qui exercent une activité professionnelle qu'à celui des étudiants et étudiantes. Cela concerne par exemple
des mécanismes de transfert financier de la diaspora pour la mobilisation de l'épargne en vue de lutter contre la pauvreté par la mise en place d'activités génératrices de revenus. L'amélioration des conditions de séjour et d'études des étudiants boursiers de la Côte d'Ivoire en Belgique. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes très heureux de savoir que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Pour preuve, les nombreuses missions que vous entreprenez dans les différents pays étrangers et amis de la Côte d'Ivoire. Votre engagement au service de la Côte d'Ivoire, votre grandeur d'âme et vos compétences avérées et reconnues forcent admiration. Notre pays avait besoin d'être incarné par un homme d'État et vous l'êtes sans aucun doute et sans commune mesure et nous en sommes très fiers. Nous voudrions pour terminer vous remercier de nous avoir consacré beaucoup de votre temps et nous en sommes honorés. Excellences, Monsieur le Président de la République, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens vivant au Benelux vous souhaitent ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne un agréable et enrichissant séjour dans le cadre de votre mission. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, comme l'a exprimé tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur Jean-Vincent Vincent, des termes très touchants, vous nous avez vraiment honoré par ce temps de communion que vous avez consacré ce soir. La communauté ivoirienne de Belgique et l'ambassade ont été très sensibles à cette marque d'esprit. Elles vous prient en retour de recevoir de leur part les mains de Mademoiselle Sonia Kosomou pour vous-même et pour votre charmante épouse, Madame Dominique Ouattara, ce cadeau symbolique comme mémorial de votre première visite au Royaume de Belgique et surtout de votre première rencontre avec vos compatriotes de Belgique. Sur votre bureau à chaque fois que
que vous verrez ça, vous penserez aux Ivoiriens de Bruxelles. C'est le plus. Je crois qu'en vous désignant à Bruxelles, alors que nous étions enfermés à l'hôtel du Gord, nous avons fait la. Vous savez, c'était des moments de grande difficulté, mais également des moments de très grande inspiration. Donc, je suis fier de vous avoir comme notre ambassadeur. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur le ministre du Commerce, monsieur le ministre de la Production animale, monsieur le ministre de l'Intégration africaine, monsieur l'ambassadeur, cher frère, l'ambassadeur Jean-Vincent Dessou, mon cher ami et cher frère, monsieur l'ambassadeur du Mali. Chers frères, chers sœurs, merci, merci, merci encore. Je dois goûter toute ma joie d'être ici à Marseille. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai été un joueur flotteur parce que j'étais le lundi à Cotonou, j'ai passé la nuit à Lomé, mardi j'y étais. Mercredi, nous sommes rentrés, n'est-ce pas, monsieur le ministre d'État, pour faire un conseil des ministres. Nous sommes restés au bureau jusqu'à 21h. Jeudi matin, à 7h du matin, nous allions pour Niamey. Et vendredi, jeudi après, nous allons bien sûr avoir Ouagadougou pour le conseil conjoint des ministres. Vendredi à Ouagadougou et vendredi soir à Abidjan. Certains disent que les gens qui travaillent trop, je dis que ce n'est pas assez pour la Côte d'Ivoire. Donc, frères et sœurs, Jean-Vincent a raison. Nous avons trouvé un pays en grande difficulté. Et au fond de moi-même, je
slogan de ma campagne était facile à trouver. Et ma conseillère à la communication, mon chef de cabinet, le secrétaire général de la présidence, que nous disons, je leur disais à chaque fois, notre pays a besoin de solutions. Voilà, c'est pour ça que c'est parti. Nous avons besoin de solutions dans tous les secteurs. Et c'est comme ça que un jeune Ivoirien a eu la magie de dire voilà, président, votre slogan, ce sera à nos solutions. Nous avons commencé à trouver des solutions, je dois le dire. Parce que vous savez, le pays était dans un état inimaginable, même pour les plus pessimistes. Quand, à mi-avril, nous avons pu sortir de l'hôtel du Golfe, c'était des cadavres partout. Oui, dans les rues d'Abidjan. Le ministre du Commerce le disait tout à l'heure, il assurait l'intérim du ministère de la Santé. C'était des tonnes d'ordures, je crois, estimées par les spécialistes à 6 mois d'ordures cumulées. Oui, avec donc évidemment le début d'un demi, et surtout des griffes à ne pas finir, et ceci nous a amené très rapidement à imaginer le système de soins gratuits dans les hôpitaux publics, mais également à mettre en place le ministère de la Salubrité, parce que la ville avait besoin d'être propre. Et je peux vous dire aujourd'hui, Abidjan est une ville propre. Au fond, Boyer nous disait le vrai bonheur, on l'apprécie. Et nous l'avons perdu pendant ces mois, ces années. Et maintenant, nous savons ce que veut dire la paix. Je me souviens, certains disant voilà, ce lieu-là, il y a la basilique de la paix, il y a le. Est-ce qu'il y avait d'autres, la paix, la fondation pour la paix? Mais c'était un visionnaire. Il savait que la paix n'avait pas de prix. Et maintenant, nous le savons. Et nous devons tout faire pour que cette paix soit préservée. Pas qu'elle soit durable, mais qu'elle soit éternelle pour la paix du bois. Chers frères et sœurs, vous dire que nous mettrons tout à l'œuvre pour que cette paix se renforce. Et c'est pour cela que je suis heureux que les responsables des principaux partis politiques soient présents ce soir. N'acceptez pas l'exclusion. N'acceptez pas de vous laisser marginaliser, quel que soit votre parti politique. Et dites-vous à chaque instant, à chaque jour, que Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas d'exception et il n'y aura pas de discrimination. Je vais veiller à ce que la Côte d'Ivoire soit véritablement un état de droit. Moi, je veux rassembler les Ivoiriens. Je veux penser les plaies du passé. Je veux faire en sorte que nous soyons fiers de ce que nous sommes, une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Et je veux que, comme notre hymne national le dit, que nous soyons fiers de Pierre Ivoirien. Je veux que chacun de vous se dise que c'est en tendant la main à l'autre, c'est en acceptant de pardonner les humiliations, de pardonner les problèmes, de pardonner
des mésententes, de pardonner les incompréhensions, que nous arriverons à passer les ponts. Et c'est pour cela que j'ai créé la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Cette séquence veut dire ce qu'elle veut dire. Il faut dialoguer, c'est notre tradition. Il faut qu'on se dise la vérité dans la transparence. Que nous sachions ce qui s'est passé. Car il y a eu trop de mensonges pour les besoins politiques dans notre pays. Il faut sortir du mensonge. La Côte d'Ivoire doit apprendre à être encore une terre de vérité, une terre de confiance des Ivoiriens les uns dans les autres. Et bien entendu, la réconciliation et le pardon viendront après. Je vais insister sur le rôle de cette commission. Voyez-vous, j'ai nommé un ancien gouverneur de la Banque centrale pour sa rigueur, qui a été également Premier ministre. Donc, il connaît les rouages de l'État. J'ai nommé comme Premier vice-président un roi, un responsable de la chefferie traditionnelle, car je veux que nos coutumes, nos usages, notre volonté, notre culture traduisent bien notre volonté d'aller à la réconciliation et comment le faire selon cette approche. J'ai nommé avec le président de la commission comme deuxième vice-président un imam, président du Conseil supérieur des imams, car les musulmans ont beaucoup souffert dans cette crise. Il y a eu des mosquées qui ont été détruites, les imams ont été tués. Il faut que la communauté musulmane apporte sa contribution au pardon. J'ai nommé un archevêque, l'archevêque Monseigneur Awana, bien connu pour son ouverture. D'ailleurs, il a séjourné plus longtemps à Rome qu'en Côte d'Ivoire pour que l'Église catholique et les chrétiens en général se disent cette commission représente tous les Ivoiriens. Car que n'a-t-on pas dit à son temps, quand Alassane Ouattara sera président, il va détruire les églises pour construire les mosquées, il va transformer les évêques en imams. Donc, l'assurance est donnée que ce ne sera pas le cas. Et en plus de cela, nous avons tenu, le Premier ministre Bali et moi, à nommer un Ivoirien de chaque région de Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Nous avons tenu à ce qu'il y ait un Ivoirien du Nord, un Ivoirien du Sud, un Ivoirien du Centre, un Ivoirien de l'Est, un Ivoirien de l'Ouest. Nous avons tenu à ce que les populations ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire, qui représentent près de 20 à 25% de la population, soient représentées. Et leurs associations se sont réunies et ont porté leur choix sur une femme qui représente la population de la CEDEAO. Nous avons tenu à ce que la diaspora, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais disons les Ivoiriens, vivant provisoirement, je le dis. Notre jeune frère Didier Brouba les représente. Et bien entendu, nous avons tenu à ce que un tiers de cette commission soit représenté par des femmes. Donc vous verrez que sur les 11 membres, nous avons 4 femmes pour respecter notre désir de dire que c'est la femme qui donne naissance à l'enfant. C'est la femme qui éprouve les plus grosses douleurs en mettant son enfant au monde. Et que c'est la femme qui peut pardonner à son fils ou à sa fille.
Donc les femmes ont un rôle important à jouer dans cette commission. Je vous dis cela pour vous indiquer le sérieux que j'attribue et je donne à cette commission. Donc oui, cette réconciliation doit être réelle. Nous devons l'obtenir. Nous devons le faire, certes, par les institutions. Vous verrez que les nominations que j'ai eu à faire, nous tenons compte de la diversité de notre pays. Le Premier ministre est du Nord, le président du Conseil constitutionnel est du Sud, le président du Conseil économique et social est de l'Ouest, et ainsi de suite, j'en passe. Le président de la Commission est du Centre. Donc, c'est vous dire que ces choix ont été faits délibérément. Parce que je veux qu'on voit dans les actes que je pose au quotidien que je veux une Côte d'Ivoire rassemblée. Je ne voudrais pas la discrimination ou la distinction entre Ivoiriens. Et ceux qui me connaissent bien, c'est l'ambassadeur Bernard Conan, un de mes jeunes collaborateurs, Daniel Guinca, et nombreux sont ceux qui peuvent attester de cela dans les fonctions que j'ai occupées dans les fonctions d'ailleurs. Donc je vous dis, chers Ivoiriens, rassemblez-vous, fréquentez-vous. Surtout quand on est à l'étranger, il faut savoir se souvenir du pays. Et c'est ensemble, quand vous êtes rassemblés, que vous pouvez goûter ce qui vous marque, la culture de notre pays, oui, les souvenirs de la nation. Donc je compte sur vous. Je suis venu ici, bien sûr, pour rencontrer les Ivoiriens, je l'ai fait partout. C'est ainsi, en allant dans les pays que j'ai visités, vous serez surpris, en une journée, à Cotonou, nous avons vu les autorités, mais nous avons vu les Ivoiriens qui vivent au Bénin. Nous avons fait la même chose au Togo, y compris les réfugiés. Nous avons reçu une délégation de réfugiés. Au Niger, où il n'y a pratiquement pas beaucoup d'Ivoiriens, 200 ou 300, nous avons tenu à les recevoir. Et bien entendu à Ouagadougou. Donc aujourd'hui, cette rencontre me permet de vous dire que ça va mieux au pays. Et le pays vous appelle. Oui, venez au pays pour participer à la reconstruction de la ville. Et j'appelle souvent Daniel Duncan ou Assou Jalou. Daniel, lui, je l'appelle le soir, d'habitude à 21h30. Je dis, Daniel, où est-ce que tu es? Je suis au bureau de l'Ivoire. Et Aoussou, je l'appelle souvent, je crois, à 7h du matin. Et Aoussou, où est-ce que tu es? Je suis au bureau de l'Ivoire. Le gouvernement est au travail pour vous. Et nous avons besoin de votre expérience, de vos relations ici. Certainement, certains ont fondé famille, mais le pays a de gros projets en perspective et en réalisation. Donc, venez au pays, il y a du travail pour chacun et chacune de vous. Sachez que tout le monde a constaté la chute brutale que nous avons vécue avec la NATO pendant 3-4 mois, les difficultés en début d'année, comme je le disais, la crise financière, il n'y avait pas de ressources quand nous sommes arrivés. Heureusement, nos amis français nous ont donné ce qu'il fallait pour pouvoir payer les salaires dès le mois d'avril. Mais je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, le Fonds monétaire international prévoit que l'année prochaine, nous aurons un taux de croissance de notre économie de 8 à 9 %. Un taux de croissance plus égalé ici en Europe de 25.
et le ministre des Finances, grâce à sa gestion rigoureuse, me dit qu'il aurait un déficit d'à peu près 2% meilleur que l'Allemagne. L'économie progresse et le pays est bien géré. Pour certains, quand vous lisez la presse, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a des insécurités. Ce n'est pas vrai. La sécurité se renforce et les Nations Unies indiquent qu'à la date d'aujourd'hui, la sécurité est meilleure qu'elle n'était avant les élections présidentielles. Nous sommes en train de rattraper le temps perdu. Oui, la police est redéployée, la gendarmerie aussi, les armées sont intégrées. Bien sûr, ils ont besoin de moyens. Mais nous avons confiance. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens sont des personnes de paix, des personnes de tolérance et des personnes de grande générosité. Et moi, je suis confiant que nous allons faire des bons qui surprendront non seulement le continent, mais le monde entier. Je voudrais vous rassurer, vous dire, chers compatriotes, que c'est le moment de rentrer. Oui, c'est le moment de rentrer. Donc, d'incitation au retour, le ministre d'État a déjà pris des décisions pour d'abord faciliter le retour de nos compatriotes en les recensant, parce que c'est le recensement qui permet de connaître le nombre d'Ivoiriens à l'extérieur. Et à ma grande surprise, monsieur le ministre d'État, vous m'avez dit qu'il y avait combien de millions d'Ivoiriens à l'étranger? 1,5 million. Oui, j'étais surpris d'apprendre cela. Alors, donc, nous prenons des dispositions pour recenser nos compatriotes, pour avoir un guichet détaillé, avoir aussi leurs compétences, que ce soit les diplômes ou les expériences. Et chaque fois qu'il y a des ouvertures, nous faisons des possibilités d'appel à la candidature. C'est ainsi que certains des postes ont déjà été obtenus par des Ivoiriens à l'étranger, que ce soit, je crois, le poste de Sépissi, donc le centre de promotion des investissements, un jeune Ivoirien qui travaillait dans une institution, je crois, au Mozambique. La SLDI, la Société nationale de développement informatique, un jeune Ivoirien travaillant donc, je crois, au Canada, et à un troisième pour un jeune Ivoirien qui travaillait, je crois, aux États-Unis, et pas dans un État aux États-Unis. Donc, nous ferons des appels d'offres pour montrer l'ouverture que nous avons, non seulement d'intégrer les meilleurs en Côte d'Ivoire, mais de faire rentrer également ceux qui le souhaitent et qui ont une expérience pour pouvoir se mettre à la disposition du pays. Et pour ceux qui sont ici, nous ferons en sorte qu'il y ait des bureaux économiques dans les grandes capitales, Paris, Washington, en Afrique du Sud, pour pouvoir faire en sorte que les investisseurs puissent venir nombreux dans ces bureaux pour s'imprégner des disponibilités et faire en sorte que le retour soit facile.
Une autre question importante a été posée, c'est le problème du logement. Vous savez que c'est également une de nos priorités. Je l'ai indiqué dans mon programme que nous voulons construire des logements à 5 millions. Bon, pour ceux qui sont là, vous pouvez payer un peu plus. Je passe à l'inauguration de 2000 logements, je crois, à loyer modéré ou à montant disponible dès la première semaine de décembre. Mais les élections législatives, la campagne des élections législatives ne me permettra pas de le faire, mais c'est dire que ces projets démarrent. Parlant de projet, je voudrais vous dire que vous savez, moi je suis d'abord un économiste et un banquier avant d'être un homme politique. Pour que le pays se développe, il nous faut des infrastructures. C'est ce que le président Oufouette avait compris bien avant tout le monde. Et les infrastructures que nous avons aujourd'hui sont celles que le président Oufouette nous a laissées. Il est parti à 18 ans. Donc nous avons pris un retard considérable et nous avons décidé de faire de grands projets d'infrastructure. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et au-delà jusqu'au Niger, la construction en parallèle du deuxième voie, le chemin de fer Saint-Pédro-Mans avec possibilité de branchement sur la Guinée, sur le Mali, et ainsi de suite. Et... La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est de l'électricité à batterie. Si nous voulons une économie compétitive, il faut que le kilowatt d'électricité soit abordable. Pas seulement pour les populations, mais pour les industries. Quand j'étais à Niamey, le président Issoufou, mon ami, me dit que le kilowattheure peut être produit jusqu'à 200 francs le kilowattheure au Niger. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons le kilowattheure aujourd'hui à 47 francs. Mais nous avons comme ambition d'ici 2015 de doubler la capacité de production de notre pays. Ceci permettrait de baisser le prix du kilowattheure et de faire des interconnexions avec tous les pays voisins. Que ce soit le Burkina, on vient de faire l'interconnexion au Mali, ça existe déjà au Burkina, le Mali, et le Togo, le Bénin, le Ghana, et même la Guinée et le Libéria nous ont demandé de le faire. Et nous irons très loin, jusqu'au Niger. Et nous n'espérons pas d'avoir des centrales nucléaires pour la production de l'électricité dans les villes à venir. En matière d'infrastructure, nous avons des projets précis. Nous avons un vaste programme d'alimentation en eau potable. Quand j'étais candidat, je suis allé à Angré. Angré, où j'ai vu un château d'eau en construction. Et j'ai vu le corps d'ingénieur qui y était. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, patron, ça est là. Hein? On ne savait pas quand est-ce que ça va finir. Alors, ce château d'eau est terminé. Patrick Hachy voulait que j'aille à son inauguration, mais ça a été fait. A déjà de l'eau. Mais néanmoins, nous avons de l'insuffisance d'eau à Koumassi, à Popo, à Yopougon. Nous avons besoin de 500 000 mètres cubes d'eau par jour à Abidjan. Nous n'en faisons maintenant que 350 000. Avant la fin de l'année, nous serons à 400 000 et dans un an, nous serons à 500 000 mètres cubes. Pour la population. Nous allons reconstruire les universités.
des réalités. Souvenez-vous, quand j'étais Premier ministre, j'ai eu affaire à l'Université d'Abobo à Gamay avec mon frère et ami Daniel Duncan, qui était ministre des Finances. Nous avons commencé les embryons d'université à Korogo, à Daloa. Nous avons fait l'université de Boaké. Et je peux vous dire qu'avant septembre, nous allons réhabiliter les universités de Kokoro, d'Abobo à Gamay, les grandes écoles de Yamoussoukro, l'université de Boaké, et nous allons transformer Korogo et Daloa en université. Et nous allons faire en sorte que l'entrée en sixième soit plus abordable pour les parents. Car à la date d'aujourd'hui, de nombreux élèves, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des disques moyens, ne peuvent pas aller dans les classes supérieures. Il leur faut pratiquement 12 de moyens pour aller en classe supérieure. Ou bien sûr l'admission au certificat d'études. Mais tout cela parce que nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas les professeurs. Mais je vous dis que l'année prochaine, nous allons ramener l'admission en sixième à 10 de moyenne parce que nous aurons les infrastructures et nous trouverons les voies et moyens pour trier les professeurs. Voici les choses. Tout cela, c'est vous dire que c'est vrai. Le gouvernement est au travail. Les Ivoiriens sont au travail. Et nous devons faire en sorte que cela continue. Ne faisons pas comme certains, on travaille un jour, deux, un an ou deux, et puis après on dit, ah, maintenant c'est bon, je suis fatigué. Non. Nous allons travailler pendant ce mandat tous les jours, comme si c'était le dernier jour du mandat. Nous allons travailler toutes les semaines. Comme si c'était la seule semaine qui nous restait à travailler. Nous allons travailler tous les ans pour que les Ivoiriens aient un peu plus de bonheur et un peu plus d'espérance. Je vous remercie. J'ai ici aussi dans cette salle des collaborateurs.
des piliers de cette ambassade. Madame Mester, secrétaire à l'agence comptable, qui a près de 33 ans. Monsieur Giuseppe Sanapo, le chef du village. Madame Ibel, ma secrétaire, qui a près de 19 ans à l'ambassade. Madame Malin, je voudrais enfin ici vous présenter mon frère et ami, l'ambassadeur du Mali. Il a guidé le premier pas ici à Bruxelles, au niveau des ACP, qu'on devait faire ensemble, l'esprit d'équipe qu'on devait avoir au niveau de l'ACP parce que c'est une grande famille. Je voudrais vous présenter aussi un jeune frère qui vient de Londres pour venir vous saluer spécialement, c'est Jean-Marc Anga, qui est le patron de l'Institution internationale du cacao basé à Bruxelles. C'est un frère du cacao. En collaboration. Il y a un autre aussi ici, je le cherche, je ne vois pas. Mais monsieur Mérité. Monsieur Légard Philippe, 17 ans de 19 ans de boîte. Et je voudrais ici aussi, monsieur Mérité, qui est patron du centre de développement des entreprises. C'est l'un de nos Ivoiriens de la diaspora, je ne vais pas citer, de nos Ivoiriens de l'extérieur, qui sont là et qui s'accrochent, et qui font vraiment du travail, qui font la fierté même dans le Côte d'Ivoire. Il y en a aussi qui sont au TACP, je vois une qui est là, qui est archiviste au TACP. Et puis il y a une que j'adore particulièrement. C'est Madame Yaba. Et il y a une qui n'a pas pu venir ici parce que. Elle est très occupée, elle prépare pour certains ministres qui sont ici. Parce que comme on ne cite pas ses contemporains, je ne dirai rien. Madame Rosalie, son papier, son référent, sa femme, et les Ivoiriens. Voilà, monsieur le président, vos frères, vos sœurs, je voudrais dire merci pour ce que nous avons fait ici en Côte d'Ivoire, et surtout à mon frère, l'ambassadeur du Mali, qui a tenu vraiment à venir vous saluer. Ne vous mettez pas devant le dans sa grande magnanimité, dans sa grande générosité, puisqu'il est en train de mettre des structures pour que les Ivoiriens de l'extérieur s'organisent, m'a remis une somme de 15 000 euros. Thank you.
je vais vous mettre cette somme. Votre porte-parole. Thank you.
Quelles sont vos impressions? Franchement, ce fut une grande occasion pour nous, les Ivoiriens vivant en Belgique. Et j'ai été très, très émue de le voir d'ailleurs, parce que c'est un grand moment, un moment qu'on attendait tous avec impatience. Donc voilà, il a assuré, comme on dit, comme disent les Ivoiriens, il a vraiment assuré. Et il sait ce que les Ivoiriens attendent de lui. Et il essaie de répondre le plus positivement possible. Donc voilà. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci de m'avoir adressé votre micro. D'abord, c'est déjà positif, un président de la République, par rapport à ce qu'on connaissait, qui avait une rupture par rapport à l'Europe, par rapport au monde. Je me dis quand même qu'aujourd'hui, nous avons un président, nous sommes fiers, nous qui vivons dans l'Hexagone, qui vivons aujourd'hui en Europe. Je me dis quand même que ce monsieur fait en sorte que nous puissions renouer avec notre pays, avec notre Afrique, avec notre Côte d'Ivoire. Donc je me dis quand même que c'est positif en cela qu'il nous a fait beaucoup de promesses, déjà même dans son programme de gouvernement. On se retrouve quelque part, moi je me retrouve, je me dis que c'est positif et quelque part, c'est quelqu'un qui on doit applaudir. Merci. D'abord, c'est un honneur de recevoir le président de la République ici en Belgique. C'est un honneur pour nous. Et à entendre sa propos, la Côte d'Ivoire renaît de nouveau. Il nous promet une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous, en tant que de la diaspora ivoirienne ici en formation, on ne peut être que réjouis, espérant que tout aille mieux au pays pour qu'on puisse retenir pour notre formation ici. Merci, monsieur. Juste un petit mot. Mes impressions, c'est qu'il s'est bien exprimé et surtout qu'il a parlé de la réconciliation. Donc, que toutes les ethnies, que ce soit musulmans, chrétiens, que tout le monde se mette ensemble, réconciliation, pardon, et que tous nous fassions un. Comme on a toujours fait, donc voilà. J'ai trouvé cette conférence utile, agréable et surtout très importante pour la communauté ici, pour avoir des informations sur ce qui se passe effectivement en Côte d'Ivoire et tout ça. Et pour la suite des événements, pour qu'on puisse éventuellement repenser à se réinstaller en Côte d'Ivoire. Le président nous a instruit de ce qu'il va faire en fonction de son programme. Nous attendons les réalités. D'ici 5 ans, comme il nous l'a promis, pour l'instant, nous sommes pour l'instant convaincus, mais nous attendons le résultat. Mes impressions, moi je dirais que ce qu'on vient de voir, ça se passe une seule fois dans la vie. Il nous a donné l'assurance, côté sécuritaire. Il nous a donné l'assurance, côté développement de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas attendre mieux d'un président. Je crois que toute la Côte d'Ivoire a fait le bon choix. Et on aimerait qu'il ait longue vie pour sortir vraiment la Côte d'Ivoire de tout ce qu'on a pu subir jusqu'à aujourd'hui, que cela soit vraiment derrière nous. Donc voilà, je lui dis vraiment bravo. Et qu'il ait vraiment la santé et encore de la force pour poursuivre son œuvre qu'il a commencée. Je vous remercie.
Mes impressions sont, c'est simple. Hein. Là, on vient d'écouter un président de la République, quelqu'un qui est un rassembleur, qui appelle au rassemblement. C'est ce qu'on attend d'un président, quelqu'un qui travaille, qui. Je vais vous dire une chose. Hein. Le destin d'une personne, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut jamais la détourner, sauf Dieu, qui peut détourner le destin d'une personne. Ce monsieur, laissons-le travailler. D'ici 5 ans, vous verrez ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire. Je le dis parce que moi, je sens en lui quelqu'un qui en veut, parce qu'il a reçu beaucoup de coups. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a comme... Il est aisé, hein, il a tout ce qu'il voulait. Hein. Malgré tout ça, là, il veut travailler pour la Côte d'Ivoire. Laissons-le le temps. On sait qu'il va faire quelque chose pour notre pays. Moi, j'ai confiance. Depuis que je suis ici, c'est la première fois, pour moi personnellement, c'est la première fois que j'entends et que je vois notre président venir ici. C'est une très, très bonne chose. Après tout ce qu'on a traversé en Côte d'Ivoire, franchement, le fait même qu'il soit venu nous voir, c'est une très, très bonne chose. C'est un grand, grand, grand réconfort pour nous, Ivoiriens, ici. Ça nous donne encore la force de pouvoir nous battre et aller de l'avant. Franchement, on en a besoin. Mais il y a une seule chose. Il y a une chose. Les histoires de passeport, il faut qu'ils s'en occupent. Il faut qu'ils trouvent une solution pour nous. Il y a deux points, franchement, moi, qui m'importent. Parce qu'il n'est pas, de un, il n'est pas donné à tous les Ivoiriens d'avoir des moyens et tous les mois aller acheter sa maison en Côte d'Ivoire. Il serait bien qu'il trouve soit une banque qui travaille avec la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens qui aimeraient bien acheter une petite, ne serait-ce qu'une petite maison au pays. Quitte à ce qu'on travaille avec cette banque-là pour permettre à chacun qui a vraiment envie de faire un petit quelque chose en Côte d'Ivoire, qu'il arrive à le faire. Et le deuxième point, c'est le visa. Le passeport, c'est trop compliqué. Parce que tout le monde n'a pas la carte visa pour aller déjà prendre les rendez-vous sur Internet. Qu'il trouve une solution. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, madame. Un petit mot, je salue d'abord le président, quand bien même qu'il ne soit pas là. Son discours m'a bien plu et je profite de l'occasion pour dire merci à tous les organisateurs, à mes collègues organisateurs. L'événement a été de taille, mais nous avons pu relever le défi et ça, je suis vraiment contente et tout s'est bien passé dans l'ensemble. Alors, pour revenir un peu à la visite du président, je dirais que c'est un honneur pour nous, les Ivoiriens. Parce que depuis des années que je suis ici en Belgique, je n'ai jamais vu un président qui nous a rendu visite. Donc, encore merci, mille merci. Dans le discours du président, j'ai retenu une chose, que tous les Ivoiriens que nous sommes, que ce soit de l'Ouest, de l'Est, du Nord, nous devons tous essayer de passer à des choses nouvelles. Honnêtement, je n'ai pas été surpris de tout ce qu'a dit le président de la République, le connaissant. Étant économiste, comme il a dit lui-même et en même temps banquier, je pense qu'il nous a éclairé de tout ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. La seule chose qui, je pense, va freiner un peu le travail du chef de l'État, c'est la connaissance de l'Ivoirien. Je pense que le président ne connaît pas bien la mentalité des Ivoiriens. Or, comme il se veut fils, je veux dire adoptif, de feu Ofwat Banyi, lui connaissait la mentalité ivoirienne. Voilà le problème que nous allons voir. Mais comme nous sommes tous derrière lui, je pense que nous allons arriver. J'ai été très content, en tout cas, d'avoir organisé la rencontre des Ivoiriens
et du chef de l'État. J'ai été très content. Mais je pense que son séjour va non seulement faire respecter la communauté ivoirienne, mais en même temps placer la Côte d'Ivoire dans la course au niveau de Bruxelles déjà. Nous qui travaillons dans l'administration belge, je sais comment les amis se moquaient de nous, mais depuis qu'il est passé à la télévision, à la RTBF hier soir, ce matin au travail, il y a eu beaucoup de respect. Parce qu'on a vu un président intellectuel, un président posé et un président qui sait où il va. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur. Ben, comme vous avez dit, je suis le président de la diaspora. Ben, si vous avez remarqué, je voulais un tout petit peu revenir un peu en arrière. C'est que il ne faut pas toujours accaparer tout. On a créé un comité qui a fait un très bon travail. L'organisation a été parfaite. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits manquements. Mais dans le premier temps, ma première parole va vers eux. Je les remercie du travail qu'ils ont fait. Maintenant, en ce qui concerne la visite et l'intervention du chef de l'État, pour moi, il a eu des propos rassurants. Parce que le plus beau pays au monde. Parce que ce que nous, on veut, c'est justement la transparence, c'est l'unité et c'est la paix. Et il a dit lui-même que les Ivoiriens sont des gens tolérants, sont des gens transparents, sont des gens de la paix. Donc, comme il a eu un discours de paix, j'espère seulement que ceux qui jusque maintenant avaient encore des a priori négatifs, qu'ils essaient de revoir leur position, qu'ils rejoignent la nation pour le bien de la nation. Et moi, je dis ça tout le temps, le pays, la terre, elle reste, les hommes passent. Donc quand on est là, on apporte son effort et sa pierre à l'édifice pour que les choses se passent bien. Je trouve que d'ailleurs, je pense qu'il est parti très rassuré. Les Ivoiriens ont été très chaleureux, ils l'ont bien accueilli. J'ai regardé dans la salle, je sais qu'il y a des gens que je connais qui ne sont pas de son bord, mais tout le monde l'a applaudi. Donc quelque part, c'est le pardon qui est accepté, quelque part. Donc, je pense quand même que c'est une chose qui s'est bien passée. J'étais ravi de le voir parce qu'on voit les gens à travers la télé, là, maintenant, on l'a vu. Il a tenu des propos qui sont très rassurants, j'insiste là-dessus. Et je pense que l'avenir, j'espère, sera meilleur pour la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur. Vous pouvez voyer, amour. On y va, maman, c'est l'été, amour. Bonsoir, donc mon nom c'est Paul-Henri Dagou, je suis un artiste qui évolue en Belgique depuis près de 6 ans maintenant. Aujourd'hui j'ai sorti et je revendique les couleurs de mon pays qui est la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Simplement aujourd'hui on vient juste de voir le président en discours. Je n'ai vu à aucun moment en fait des propos qui étaient vraiment destinés aux artistes. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse nous orienter par rapport à la voie aussi qu'on a à prendre par rapport à l'expansion du pays, à l'organisation, à la cohésion sociale, parce que je pense que la cohésion sociale et la paix passent par l'artistique. La musique égale la paix. Donc il ne faut pas sous-estimer, d'accord ? Il ne faut pas sous-estimer l'effet artistique. C'est vraiment ce que j'avais à dire ce soir, et qu'on est là, et qu'en Europe, on revendique et on valorise les couleurs de notre pays. Donc prenez soin de nous. Merci, monsieur. Effectivement, ben, on vient d'assister à une très très belle rencontre avec le chef de l'État. On va dire, comblé par le message qu'il a apporté à la communauté. C'est un message d'espérance, d'espoir et avec beaucoup d'ambition. Et c'est vrai qu'on attendait depuis longtemps un chef de l'État qui pouvait nous apporter un tel discours. On est très très heureux ce soir. Yeah, yeah.
I love.